Yo la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi chez moi, je me porte très bien. Alors aujourd'hui, je suis là pour une nouvelle faille, un XBET. Alors précisément sur eSport, l'eSport virtuel de un XBET. Voilà, aussi pour jouer FIFA Penalty 18. Alors ici, voilà, je vais vous montrer rapidement où ça va se. Pour ceux qui ne connaissent pas FIFA Penalty 18 Penalty. Ah, c'est un jeu de XBET qui se joue chaque 5 minutes. Ah, quelle que soit la durée maximale. Là. Non, c'est pas la durée maximale au moins. Chaque 5 minutes, il y aura des tirs au but. Ah, il y aura des séances de tirs au but chaque 5 minutes. Donc, pour ce faire ici, pour voir le sport même, vous allez venir ici. Ici. Vous allez venir ici, excusez-moi, vous allez venir ici, menu, voilà, vous allez venir sur menu, vous allez venir ici sur eSport, et vous allez venir ici, virtuel, voilà, et vous allez cliquer ici, plus, vous allez cliquer ici, plus, ouais, excusez-moi, vous allez cliquer sur, après avoir cliqué sur plus, vous allez cliquer sur FIFA. Vous allez cliquer sur FIFA. Après avoir cliqué sur FIFA encore, vous allez cliquer sur plus. Vous voyez que c'est un peu long. Mais je vais vous montrer une petite astuce pour facilement la session. Ici, donc, ici, c'est ce jeu-là. FIFA 18 Penalty. Voilà. Quand vous allez rentrer dans le jeu ici, vous allez constater que nouvellement, vous allez constater qu'il n'y a rien qui est coché ici. Donc, vous allez cocher ici d'abord en premier temps. Voilà, et vous allez revenir dans populaire. Voilà, vous voyez. Donc, une fois que vous avez coché, vous allez revenir dans populaire. Et vous allez venir ici dans favori. Et quand vous allez venir dans favori, cliquez ici championnat. Voilà, quand vous allez cliquer sur championnat, vous allez voir que ici, c'est venu rapidement. Voilà, en deux clics déjà, tu as déjà retrouvé la partie de eSport. Donc, comme je disais, je vais vous expliquer. Voilà, ce jeu est un jeu de XBET qui se joue chaque 5 minutes. Vous voyez, chaque 5 minutes, on joue ce jeu. Donc là, je vais vous montrer une faille qui... Vraiment, il y a des très belles cotes dans ce jeu-là. Vous voyez, il y a des très belles cotes. Voilà. Donc, où on peut gagner facilement. Avec cette faille, on peut gagner facilement avec le score exact FIFA Penalty 18. Donc là, restez attentivement et suivez la vidéo et bien suivez la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas rater une petite détail. Car une petite détail net, on peut parvenir à une perte vraiment qui n'est pas normale. Donc restez branché jusqu'à la fin de la vidéo. D'accord. Donc ici, moi aussi, je me présente, je suis Thiam Astuce Faille Inxbet. Ici, on fait des failles, j'envoie des failles, des tutos Inxbet, des astuces aussi qui vous permettent de gagner facilement sur votre plateforme de paris Inxbet. Pour tous ceux qui ont un compte Telegram, l'application Telegram, ou pour ceux qui n'en ont pas, allez-y télécharger l'application sur Play Store. Après avoir téléchargé l'application sur Play Store, passez dans la description de la vidéo. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la description de la vidéo, car je vous montre à chaque fois. Voilà, attendez, je vais vous montrer une petite exemple. Voilà, je vais vous montrer une petite exemple de description. Donc, attendez, j'arrive tout à l'heure. Voilà, la famille. Par exemple, avec la nouvelle mise à jour de YouTube, par exemple, je suis là, regardez cette faille. Et ici, le mec me demande de passer dans la description pour prendre quelque chose là. Donc ici, automatiquement, pour passer dans la description, il faut cliquer ici. Voilà, il faut cliquer dans... Voilà, vous voyez, non? Voilà, ici, ils ont mis plus là. Vous cliquez sur plus. Voilà, vous voyez, vous cliquez sur plus pour ouvrir la barre de la description. Voilà, vous voyez ici. Et ici, on met le lien. Donc là, vous passez dans la description et quand vous allez passer dans la description, vous allez voir un lien de ce canal là. Vous allez voir un lien de ce canal là, vous allez intégrer le canal. Voilà, ici c'est un canal où je vais vous montrer les différents failles astuces
de FIFA 18 Penalty. Ce canal là, c'est mon canal à moi-même. Ah, ici, spécialement FIFA 18 Penalty. Voilà, ce canal aussi, c'est spécialement football, ah, les autres sports quoi. Voilà, donc ici, vous allez intégrer le groupe ci. Voilà, vous allez intégrer le groupe qui sera le premier lien. Ce canal là sera le premier lien dans la description. Là, vous allez intégrer le groupe. Voilà, ici, vous voyez que chaque 5 minutes, ils envoient des. Ah, vous voyez, chaque 5 minutes, ils envoient des. Comment dirais-je, ce canal est un canal qui envoie les scores de comment dirais-je, de FIFA 18 Penalty en direct. Voilà, si dans FIFA 18 Penalty on marque un but net, lui il signale. Voilà, donc c'est un canal qui envoie les scores directement. Vous voyez, chaque 5 minutes il y a des scores, vous voyez des résultats. Donc ça veut dire chaque 5 minutes ils envoient des résultats. Donc ici avec ce canal, vous pouvez facilement faire vos différentes analyses, voilà, et miser pour gagner facilement. Donc là, vous pouvez faire vos différentes analyses et miser facilement. Ici même, vous avez les trucs ceux qui vivent en Russie, vous voyez avec les coupons là, vous voyez ceux qui vivent, ce sont les personnages qui vivent en Russie. Donc ici même, ils envoient des coupons même avant le début du match. Donc ici, la faille que moi je vais vous présenter, c'est une faille vraiment qui est vraiment facile. Donc une fois que vous êtes là pour débuter la faille, vous allez cliquer sur un numéro ici. Voilà. Chaque jour il y a des numéros différents, donc vous allez cliquer sur le numéro 200. Ici je suis tombé sur le numéro 223, donc je clique sur le numéro 223 et ici je clique sur la première flèche pour monter vers le haut pour que la recherche me présente les différents matchs de 223. Donc je monte, je clique là. Ah, une fois là, vous allez voir que c'est déjà même là. Première remarque que je fais ici, je vois que ici le V, ici c'était V1. Alors, je vois que ici c'était V1. Donc on monte encore. Je vois encore que c'était V1. Donc automatiquement, quand j'allais descendre tout en bas, j'allais prendre D1. C'est comme en plus de 3 mêmes numéros, il y a des victoires de l'équipe V2 au moins, victoire de l'équipe 2. Donc j'allais prendre V2 automatiquement. Voilà, ici aussi la deuxième remarque que je peux faire, c'est que s'il y a 3 victoires qui se suivent, s'il y a au moins 3 victoires du même côté, V2 ici, à 4 matchs, je dois prendre V1, vous voyez. Bon, je vais partir pour sélectionner un petit coupon, voilà, pour après je vais vous montrer le résultat. Voilà, donc ici je prends V1. Voilà, le match va débuter dans 49 secondes. Donc c'est une faille vraiment qui marche à merveille. Voilà, ici j'ai déjà fait, donc ici je vais regarder ce qu'ils montrent aussi eux. Vous voyez, je suis traduit. Et traduit ici après P1, vous voyez déjà, et tous même connaissent la faille, donc ils savent que V1 peut gagner facilement. Donc là c'est un peu très facile. Donc ici de suite, et puis la seconde faille que je voudrais vous montrer, que quand vous allez faire la recherche et vont vous montrer les différentes parties des rencontres, je vous demande de faire une remarque
quand vous allez faire la remarque est que ici on a plus, on a au moins les deux équipes pouvaient marquer 3 buts. Par exemple, comme ce score-là, 4 à 2, 4 à 2, 4 à 5, 4 à 2 ici. Voilà, au moins des scores comme ça qui sont proches de... Pour que chaque équipe marque 3 buts ici. Voilà, des scores qui sont à peu près comme ça. Soit c'est 4 à 3, soit 4 à 5, ou soit même si on a des scores qui sont 4 à 2 ou 3 à 2 comme ça, voilà, on choisit les matchs qui se suivent au moins 3 de ces matchs comme ça. Par exemple ici, 3 de ces matchs comme ça. Voilà, 3 des matchs où les deux équipes pouvaient marquer 3 buts facilement. 3 des matchs successifs qui se suivent sans qu'il y ait une autre personne au milieu. Donc ici, automatiquement, quand c'est comme ça, je compte 223. On a 224. Bon, voici les 3 matchs que moi j'ai choisi et que j'ai eu. 3 matchs là. Donc je vois que c'est 224, 225 et 226. Donc je prends celui du milieu. Je prends celui du milieu, celui-là. Donc le 225. Donc je rentre dans mon coupon et je rentre dans mon XBET, le 225 net. Voilà, le 225 ici, je prends chaque équipe va marquer 3 ou plus. Ici, vous allez venir là. Excusez-moi, vous allez venir ici. Chaque équipe va marquer 3 ou plus. Oui. Vous prenez oui. Ça peut marcher comme ça peut perdre. Hein. Donc, il faut être au bon moment. Ça peut marcher comme ça peut perdre. Ici, j'ai pris le coupon là. J'ai pris V1. En ensemble, on va voir le résultat. Et vous voyez V1 terminé. Vous voyez ça, V1 terminé. Donc, le coupon est gagnant. V1 terminé. Donc, vous voyez que ça marche à merveille. C'était une cote de 1,85. Alors, vous allez dire que ce petit méchement, c'est énorme. Donc, ça va être le petit code qu'on gagne facilement. Donc, cette fire gagne à merveille la famille. Ça marche à merveille. Donc, aussi, pour ceux qui veulent rejoindre mon groupe Telegram proprement, moi, pour spécialement FIFA Penalty 18 ans, veuillez passer aussi dans la description pour intégrer ce groupe-là, FIFA Penalty 18. C'est un groupe qui m'appartient aussi. Donc là, voici un coupon de ce genre. Voilà, vous voyez, chaque équipe va marquer 3 ou plus. Oui, code 255. Voilà, c'est payant. Voilà, vous voyez, c'est gagnant. Donc là, ne soyez pas vraiment là dans votre coin. Donc, levez-vous et cherchez à avoir votre part dans un XBET. Voilà, ici c'est mon troisième pari et troisième canal. Voilà, Telegram. Et deuxième moment, ça. Donc, ici hier, on a fait un et deux sur deux codes, des codes 2 et ce code 2 ont marché. Donc, pour ceux qui veulent bénéficier de ce coupon là, donc, passez dans la description pour intégrer les groupe Telegram. Donc merci à tous d'avoir suivi la vidéo.